4 mois plus tôt. Bonjour à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue dans la suite de The Last of Us Part 2. Owen ! Owen ! Salut. Salut. Est-ce que tout va bien ? Ouais. Peut-être que je tombe mal ? Non, pas du tout. Alors, il a redécoré. Quoi de neuf ? Une mission en vue ? Si on veut. Si on veut. Tu sais quoi ? Ici, on évitait de parler d'Isaac pendant quelques instants. Owen. C'est quand la dernière fois que t'es venu ? Regarde-moi ça. Et admire un peu. Qu'est-ce que t'as fait ? Pas grand-chose. J'ai arraché quelques lignes. Une seconde. Alice est ici ? En balade avec Mel. Apparemment, je peux secouer. Tout va bien pour Pardon. Vous Pardon, excusez-moi, mais c'était trop con. La vie de couple et tout. Ouais. Ouais, c'est pas mal, enfin. Elle est vraiment gentille. Ça doit être cool après moi. Bah. Waouh. Sous tes airs de dur à cuire. Un côté tendre aussi. T'as une mémoire de merde. Sélective, tu veux dire. Au moins, ils le prennent bien, le. La rupture, je suppose. Quoi que je veux dire, t'as peut-être pas le choix trop dans ce genre de situation. C'est moi ou tu t'entraînes en secret au tir à l'arc ? C'est peut-être toi. Il y a des cibles partout. J'espère que je pourrais prendre un tir à l'arc. Ça, c'est du moonshine. Ça a l'air compliqué. Touche pas à ça. Abigail. Tu fais des expériences ? Pas loin. Je fais de l'agneau de luxe. Si t'es gentil, je t'entendrai. Quelle chance. Elle est venue faire quoi en vrai ? C'est pas été très expliqué, tu vois. Mais c'est moi où il y a de la neige qui tombe dans le bâtiment ? Ah ouais, d'accord, il y a un trou au plein milieu. J'allais dire, oh, ça bug, il y a de la neige qui tombe en plein milieu et tout. Et en fait, c'est normal. C'est normal, c'est... Ouh, du Nerf Gun. Ça explique la cible. Ouais, Mel et moi, on se fait un petit concours. Mais je suis pas sûr que ça te plairait. C'est assez compliqué. Je vois ce que tu fais. Et ça marche. Je fais quoi ? Ok. Tu vois les cibles ? Ouais. Je suppose qu'elle aura un arc différent de celui d'Eli, en fait. C'est pour ça qu'on nous entraîne avec un Nerf Gun. Si je gagne, t'ajoutes mon nom au tableau. Ça marche. En tout cas, il est bien l'arc, hein, avec... Edine. Oh ouais, je suis fier de toi. Et de deux. Et il t'en reste plein. Oh, pas mal. Putain de merde. Cinq. Ça fait la moitié, Abby. Encore deux et tu me bats. Mais cool, hein. 30 secondes. Ouais, mais il est où le dernier ? Une dernière. Et c'est bon. Ne loupe pas ton coup. Putain de merde, t'as réussi. T'as battu le record. Eh, hey, t'as cool, quoi. Ah, il me reste du temps, non ? Plus que 10 secondes. Cinq, quatre, trois. Je sais pas si on a de plus en vrai. J'ai réussi. Du premier coup. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est génial. Super forte. Arrête et mets-le sur le tableau. Je le ferai. Plus tard. Ah! Il le fera pas. Il voudra pas mettre à cause de Mail. Que j'étais ici. Elle s'en fout. Alors mets mon nom sur le tableau, Owen. Ok. Calme-toi.
12. Et... bon. Qu'est-ce qu'on dit? 3 fois 4. Il y a une dernière chose que j'aimerais que tu vois. Ah, j'avais un... j'ai un succès. Le cadavre trophée du capitaine en haut du tableau. Du c'était un... si, en fait, vous saviez ça, je l'ai vu la dernière fois. De toute façon, j'aurais gagné de toute façon parce que je suis arrivé à 11. T'as mis un bonnet de Noël, si? Hein? Non. Mais j'avoue que ça serait marrant. Mais j'avais pas vu le dernier. En fait. Peut-être que je pourrais faire plus aussi. Peut-être qu'il y en avait. Mais ça m'a trop rappelé la scène avec, dans, avec Drake dans Uncharted 4 lorsqu'on s'entraîne à tirer sur des cibles avec un Nerf Gun dans son grenier. C'est quoi tout ça? C'est festif. Et t'as pas encore tout vu. Assieds-toi. Admire un peu cette vue. Ouais, une vue sur des bâtiments abandonnés, je veux dire. Rien de plus classe, quoi. Pourquoi t'es venu, Abby? Pourquoi t'es venu troubler ce petit couple qui était tranquille? Goûte-moi ça. Alors? La vue est chouette. Oh, t'exagères. Rabat-joie. Tu veux que je mente? Ouais, je préférerais. Elle est à fond sur les trucs de Noël et... ça fait un an, elle et moi. Alors... je trouve ça trop mignon. C'est ça. Et ben moi, je t'emmerde, ok? Non, c'est juste que j'aimerais bien que quelqu'un me masse pour m'en faire une. Oh. Tu le mérites pas. Ouais, je le mérite pas. La chaussette? Ou que quelqu'un m'aime? Que quelqu'un t'aime. Ça me fait mal au cœur de dire ça, parce que par rapport à ce que je sais de ton histoire, du coup. Qui est moi? Je suis confus. Sèche l'entraînement ce soir. Abby, quand la lune se lève... J'ai trouvé le frère de Joël. Ah bah là, c'est bon, ça. Il est dans un camp, dans le Wyoming. Comment tu le sais? On a mis la main sur des lucioles qui faisaient partie de son groupe. Je croyais qu'il avait raccroché il y a une dizaine d'années. Ouais. Et donc, ce type a eu de ses nouvelles récemment? L'obsession. C'est une piste. Il faut que j'en sache plus. Ok, mais tu sais bien que même si tu le retrouves, même s'il est là-bas, il saura peut-être pas où est Joël, d'accord? Tu l'as dit aux autres? Oui, tout le monde est partant. Mel l'est aussi. On part la semaine prochaine. Isaac voudra jamais laisser autant de monde quitter la base. Isaac est d'accord. Mon cul, ouais. Personne ne tient à la justice plus que lui. Il sait ce que Joël a fait. Hey. Je peux compter sur ton aide, pas vrai? Bien sûr. C'est là que tu vois que Owen, c'était peut-être le plus sympa du groupe et il était pas trop partant pour le truc. Il y a pas mal de gens qui sont en colère, j'ai vu dans les commentaires machin, qui aiment pas qu'on joue à billes, etc. Mais pourquoi la route de vengeance de Ellie est justifiable pour vous et celle d'Abby ne l'est pas? Juste question. C'est pas parce qu'au-delà du fait que Joël soit le personnage principal de Last of Us. Hein. Il a tué son père. À quel moment c'est pas justifiable? Si vous justifiez la chose pour Ellie, c'est justifiable en fait pour Abby. Vous voyez le truc? Si vous justifiez pas Abby, tout ce que fait Ellie n'a aucun sens. Et vous devez pas être d'accord pour Ellie non plus. C'est une question de perspective, on va dire. Mmh.
merde. Le péché est en eux. Ils se cachent. Libère-les. Ainsi ils pourront connaître. Non. Yara! Où se trouve l'autre infidèle? Brisez-lui les ailes. Les ailes, c'est quoi? C'est les bras? Oh boy! Ah! 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 On est là, on est tous dans le même jeu. L'histoire a changé, c'est ça? On n'est plus au même endroit. Oh putain! Oh putain! Oh bordel de fuck! Le problème, c'est qu'elle va se prendre maintenant. Ah bah, c'est parti. Yara! Yara! Les démons arrivent. Les démons? Fais-la descendre. Mais c'est une des leurs. Lève! C'est quoi les démons? Ah, les claqueurs! Je suis bête aussi. Faites gaffe. Je prends le contrôle, là. La transition cinématique gameplay est assez incroyable. C'est un jeu de combat maintenant ou quoi? Il faut esquiver à chaque coup? Ouais, il faut esquiver à chaque coup en fait. Allez, claqueur! Appui de marteau! Oh! Pourquoi mon écran se désactive comme ça, là, à chaque fois? Vous allez où, comme ça? Vous sortir de ces bois? Où y aller? Maintenant! J'arrive, mais j'ai plus de sac! Oh! J'ai vu des trucs dans la forêt, les gars! Ok, ils sont pas dans la forêt, ils sont derrière moi! Lève, ils sont tout autour.
On a la chance quand même. Il va dire que c'est des stalkers, donc du coup, ils s'en battent les couilles de nous. Putain, c'est chaud de skipper. Le timing de l'esquive, en fait, il est assez violent. Je peux prendre ça? Ah non. Vous allez bien? Ouais. Il faut partir avant que d'autres n'arrivent. Toutes les directions se ressemblent. T'es sûr que c'est par là? C'est forcément. Qu'est-ce que je fais? Bah t'es avec des scars. Elle se lie avec les. Avec l'ennemi. Elle se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Est-ce qu'elle va avoir une sorte de rétrospective en fait sur son allégeance? Dépêche Azat! C'est pas leur base par hasard, il y a des gens morts partout. Ils sont morts depuis peu. Il y a un autre chemin. Si c'était le cas, on passerait pas par ici. Oh, il y a du son. Pousse-toi, il y a du son. Allez, lève. Occupe-toi. Pousse-toi. Allez-y. Je suis là. Fuck. Et c'est parti pour le show! Alors, faut pas que j'aurai des esquives parce qu'elle a l'air violente, elle. Tu sais que c'est pas beau de piquer le sac d'une dame. Combat MMA. Oh, oh, combat MMA raté! Raté, raté, raté! Combat MMA raté! Oh, oh. Wow! Wow! C'est Dark Soul! Ah, c'est Dark Soul! Attendez! Je vais y arriver! Arrache-lui l'oreille! Oh, elle est défait visage, c'est pareil. Est-ce que je peux avoir un... Oh, oh. Et... Go! Wow! Wow! Pop! 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 Esquive! Non! Esquive! Oh, non! 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 Esquive! Esquive! Oh. Ah. Ok, c'est reparti. Dark Soul like. Voilà. Je suis bien concentré. J'attends, j'attends. Et j'esquive, j'esquive. Et je tape, et je tape, et je tape. Et j'ai... Oh, d'accord, deux fois seulement. Je vais taper trois fois. Oh, oh, oh. Oh, oh, ma... Oh, mais... Esquive. Oh, bah non, c'est pas esquive, ça. Alors, prépare-toi. Attends. Esquive. Esquive. Un, deux, esquive. OK. Allez, hein. Si vous voulez voir Abby mourir de toutes les façons différentes, c'est maintenant. Esquive. Tap, tap, tap. Voilà. Premier coup, je peux faire trois fois. Deuxième fois, je peux pas. Esquive. Deux. Oh, j'ai appuyé deux fois, j'ai pas réussi. Par contre, c'est ultra bien fait le fait que quand je tape d'un élément du décor, ça fait ça en fait. Que je puisse voler. Calme-toi, toi. Et les deux là, au lieu de rester au sol, pouvez m'aider ou pas? Faut pas que je sois greedy. Je suis trop greedy. J'essaie d'avoir des... Hey, je fais pas trois coups au passage. C'est le jeu fait trois coups. Moi, je fais que deux coups. Hein. J'appuie deux fois et elle enchaîne trois. Ouch! Ouch! Ça picote? Ah!
Ah si, il y a plus que deux en fait. C'est moi qui m'attaque peut-être trop. C'est bon. Ça va, vous ? Oui. J'ai récupéré tout mon stuff. Ok. Nice. Alors, ce combat était difficile pour moi, car je ne sais pas esquiver dans le jeu. Donc du coup, c'était difficile d'esquiver. Ok ? Il y a un timing spécial. Donc du coup, ça c'est trop spécial dans ce jeu, c'est que non seulement de base je joue l'ennemi de Ellie, mais maintenant je joue littéralement en collaboration avec l'ennemi de Abby. Tu vois, c'est on est vraiment en mode il n'y a pas d'ennemi ou d'ennemi en fait. On est tous ensemble dans un service ou survie quoi. Ok. Prenez tout ce qui peut servir. On touche pas à ça. C'est de l'ancien monde. Sérieux? Vous avez pas ce qu'il faut. C'est pas la fin du monde. Sans mauvais jeu de mots. Hein ? Quel jeu de mots ? Oh là ! Oh là là ! C'est la première fois que je vois des Scars s'affronter. Des séraphites. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je me suis rincé la tête. Ok, et me dis rien. Franchement, ça m'égale. Moi, j'aimerais bien savoir, en vrai, parce que... Elle s'est rasée la tête et c'est le et c'est ça qui a fait qu'ils sont contre. Ils ont pas le droit de se raser la tête. Ouais. Ils sont durs sur la coiffure là-bas. Du coup, en fait, ce qui est génial avec ces personnages, c'est qu'ils ne lootent pas. Du coup, ça explique pourquoi il y a autant de loot qui reste dans les bâtiments qui sont gérés par les séraphites, par exemple. Parce que les mecs, en fait, ils s'en battent les couilles. Ils en veulent pas. Dakota du Nord. Non, c'est pas ça que je fais. Alors ça a donné confection de cartouches incendiaires. Que je peux faire deux cartouches incendiaires pour fusil à pompe. Ça peut être pas mal, mais je vous avouerai que je suis pas friand d'un... Comment on appelle ça? D'un claqueur incendiaire qui fonce sur moi, tu vois. Je dis ça, je dis rien. Y'a rien de pire qu'un zombie, ok? Et y'a rien de pire qu'un zombie qui fonce dessus alors qu'il est en feu. Donc voilà quoi, je me sens pas très à l'aise par rapport à cette idée. Alors, Eddie, j'espère que tu vas bien. La trêve est terminée et on nous a demandé de rentrer pour recevoir de nos nouvelles affectations. J'ai envoyé deux groupes te chercher, mais sans succès. Si tu trouves ce mot, viens nous retrouver. C'est des potes, ça. Alors, mon fusil, la pompe incendiaire. Ok, il est plein. Je peux porter que deux cartouches. Ce qui est un peu lamentable. Mais bon, voilà, on va faire avec. Du coup, si vous prenez à rien, moi je vais me servir. Hein, okay. Je vais pas me faire prier. Je vais prendre tout ce que j'ai besoin et j'y vais. Voilà. Il n'y a pas grand chose. Y a rien du tout. Ok, c'est plat. Marrant que j'ai des munitions pour cette arme, alors que cette arme, en fait, elle est assez particulière. C'est pas genre une arme que tout le monde possède. Mais il y a quand même des munitions partout dans la ville. La mode, c'était le truc à la mode, quoi. Bientôt sur la côte. Encore un peu. Ouais, on va voir s'il y a encore des rôdeurs partout. Ah bah c'est le cas. Restez derrière moi.
Je suis aveuglé. Je suis aveuglé, les gens. Come at me, bros. Come at me. Du coup, en fait, ce fusil à pompe à munitions incendiaires est assez peut-être overkill pour les deux petits ennemis que j'ai combattus là. Une cartouche normale les aurait défoncés de base. Je devrais peut-être les garder pour les vrais claqueurs, tu vois. Mais bon, je t'avouerai que dans le cas actuel, c'était peut-être plus fun de l'utiliser maintenant. Tu vois. Parce que peut-être que je n'utiliserai pas, j'aurai peut-être pas l'occasion de le faire plus tard, j'en sais rien, tu vois. Pas trop pour l'économie de balles en fait dans ce jeu. Si j'ai plus de balles, ben j'utiliserai autre chose. Ouais. Ouais, bon, bah l'infiltration s'est très mal passé, hein, comme vous avez pu le voir. Hein. Pas grave, ça. Hey, ça s'est mal passé, mais hey, ça s'est bien passé quand même. Ça aurait pu être pire. En plus, il y avait suffisamment de balles pour les ennemis. Par où, par là? Bah, je suis déjà venu par là et tu racontes n'importe quoi. Ah, par là? Comment t'as fait pour passer par là? Ah, on passait par ici, d'accord. Les filles? Please? Un peu plus de contexte par rapport à ce que je devrais faire? Moi, je vous suis, hein, à la base, hein. C'est pas moi qui suis censé trouver le chemin. Ok, d'accord, merci. Je vous fais passer et vous ouvrez la porte, ok? On t'ouvrira. Allez. À ton tour. Attention, bras. Pourquoi elle attend pas que toi tu ouvres la porte? Ok, c'est parti. Maintenant, c'est le moment où je regrette, en fait, de... Attends, j'ai des balles encore, là-dedans. Changer de munition. Wow. Il y a des vrais claqueurs qui arrivent. Faut que je fasse gaffe. Elles m'ont abandonné, hein, tout est logique. Je faisais confiance à des scars. Faut que je trouve un autre chemin. Par où il est rentré le claqueur là? Ah, il tombe par là lui. Bon, du coup ils vont revenir. J'ai que deux cartouches. Ok, y en a encore. Il y en a encore. D'où il vient, lui? Oh!
On te fait. Du coup, elles viennent lui chercher en vrai. Mais elles étaient très en retard. J'ai le temps? J'ai le temps! J'ai... Oh, j'avais le temps! Non! Dégage! Dégage! Je vous avouerai que cette séquence est très flippante pour moi. Genre, il passe par là, lui! Les filles, c'est quand vous voulez. J'arrive. Wolfie. J'arrive. Oui, attendez. Sans blague. J'ai besoin d'une minute. Accroche-toi bien à moi. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Abby? Tu es vraiment en train de porter un scarf? Je sais. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire, expire. Doucement. Inspire. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile de porter quelqu'un qui pèse à peu près genre un 50 kg, 60 kg, tu vois. C'est pas lourd, mais courir comme ça sur une grande distance, il faut une endurance de ouf. Essaie les portes et vérifie qu'il n'y a pas d'infecté. Ça s'ouvre pas. Essaie les autres. Alors? Non. En tout cas, elle risque sa vie, elle risque aussi pour ces deux-là, mais en vrai, elle, ces deux-là l'ont sauvé la vie, tu vois. Ah, super. Allez, en trois avant de se faire repérer. La porte. Enlever ça. Oh mon Dieu, l'œuf. Il faut juste le remettre en place. Ok. Tu remets juste en place quoi? L'os est froid que tu rends multiples endroits. Elle va se taper une infection là. Allonge-toi. Parce que là, le bras n'est pas juste cassé en fait. Hein. Il a été martelé, okay. Tu vois. Comment elle va faire pour remettre ça en place, ça? C'est moi qui vais le faire? Bon, c'était facile, apparemment. Oh.
Comment tu t'appelles ? Abby. Merci de m'avoir libérée. Il y a beaucoup de passages dans le coin. Je sais qu'elle n'est pas en état, mais il faut que vous partiez avant demain. Ça va aller. C'est ça. Mais demain, c'est pas demain qui est à l'attaque ? C'est demain qui est à l'attaque de... des wolves. Waouh, un conteneur qui est entièrement... Non. Ah ouais. Le conteneur est entièrement suspendu comme ça, là. Bon, il est où, Owen ? T'as intérêt d'être vivant, Owen ? Bon, je sais qu'il est mort. Je l'ai tué avec Ellie. Je veux dire, là, maintenant. C'est parti. On joue RP, les gens, on joue RP. Je sais pas si j'ai assez d'éléments, je pense pas que j'en ai récupéré de plus de par rapport. Ah si j'en ai récupéré de plus. Je vais améliorer le fusil à pompe. Ah j'ai pas. Fusil à pompe n'a pas de capacité supplémentaire. Lui je peux augmenter sa stabilité. Lui j'ai vitesse de rechargement et stabilité. Cadence de tir. Cadence de tir c'est pas ce qui m'aide énormément à mieux toucher mes cibles. Lui c'est vitesse de rechargement du coup. Que ça prend un temps ouf de vouloir recharger cette arme. Ouais, ça va le faire. On peut jouer comme ça. Ma lumière marche plus. Ah si, c'est bon. Bon ben let's go. Mais Owen, en fait là en fait on se dirige vers l'aquarium, c'est ça? Pour essayer de voir s'il est là-bas. Parce que c'est un peu l'endroit secret dans lequel il se retrouve à chaque fois qu'il a un problème. Et nous en tant qu'Ellie, on est sur la piste de cet aquarium. Parce que c'est le dernier truc qu'on a entendu. Mais je crois qu'elle va se faire attraper avant. Elle va se rattraper avant parce qu'elle était. Avec Ellie, on avait entendu que Nora avait dit qu'elle était en cellule. Donc elle va se faire emprisonner à un moment donné. Elle va se faire emprisonner à un moment donné par son chef, Isaac, là. Et elle va s'échapper. Et du coup. C'est peut-être à ce moment-là qu'elle apprend qu'Ellie a tout le monde. Et du coup, elle va revenir. Elle va essayer de la suivre au théâtre, je suppose. Pour arriver à la scène dans laquelle on a laissé Ellie et Abby en face à face. C'est pas là que je vais. Allez go. Si c'est bon c'est là. Oh non. Goddammit. Ok nice. Merde.
Et maintenant? Maintenant, on ressort d'ici. Ah, on y est presque là, regardez, c'est à côté. Allez, c'est juste là. Juste dans l'eau. Ok. C'est pas du tout une eau dans laquelle t'as envie de nager, mais bon, ok, d'accord. Allez, c'est bon, on y est. On arrive. Le courant est fort. Ouais, mais ça va, t'es passé quand même, tu vois. C'est fort, mais t'as pu passer, tu vois. T'es pas si fort que ça. Hein. Bon, j'ai récupéré une flèche. Du coup, je vais sûrement récupérer un arc. Will, je vais me coucher malgré la montée d'adrénaline. Malgré la montée d'adrénaline suscitée par ce bordel, cette espèce de grippe me met KO. Laisse-moi dormir quelques heures que je puisse combattre cette salope. J'ai couché notre petite abeille, je crois que toute cette violence, ça se coupe pas mal. Elle m'a dit « Maman, pourquoi toi et papa avez poussé ces gens ?» Je lui ai dit que c'était la seule façon de monter à bord, et elle a dit oui de la tête. Mais je ne suis pas sûr qu'elle comprenne bien ce que j'aurais peut-être dû dire autre chose, je ne sais pas. Enfin bref, elle se réveille. Si elle se réveille avant moi, tu n'as qu'à lui lire ses livres, ça la calme. J'espère que tu as pu tirer au clair cette histoire de ration, je t'aime. Ils ont tous été tués dans leur sommeil, en vrai, regardez. Oh. Ils ont pris des flèches dans la tête. Putain. Ils ont pris des flèches dans la tête, dans leur sommeil. Wait. J'ai un moyen de passer avec le bateau. Je suis pas obligé de nager jusqu'à la grande roue quand même. Tu peux passer dans ce trou là? Non, bah non, jamais, passe pas. Son pec passe pas là-dedans. Une arbalète. Ça va. C'est toi qui as tué tous ces gens. Mec. Bon. En plus, on peut réclamer. On peut reprendre plus rapidement les arbalètes. Merde. Les flèches d'arbalète ne cassent moins facilement que ceux de... Que les flèches d'arc. Merci de nous avoir aidé avec le passage infecté. On a de la chance d'avoir quelqu'un comme vous à bord. Les gars de l'équipage sont nuls. Je n'approuve pas que le capitaine garde les armes sous scellé. On ne peut pas continuer à ignorer que certains des passagers sont infectés. Les armes sont stockées sur le pont inférieur. Le code est 90-7701. Votre arbalète est là-bas. Je vous fais confiance. Faut juste que j'arrive à trouver le coffre. Bon, il y avait des... Elle a littéralement one-shot un infecté avec son poing. Alors j'adore tes mouvements erratiques. Ce serait bien en fait que tu arrêtes de bouger quand je te tire dessus. Merci. Parce que c'est mignon, hein. C'est mignon en fait de faire des petits mouvements dans tous les sens comme ça. Mais quand tu tires une flèche et que t'avais visé à la base, ça fait pas plaisir, ok?
Trophée obtenu comme un sous-neuf. Apparemment, j'ai récupéré... Attends. J'arrive jamais à faire le... J'arrive jamais à faire le truc de succès. Systématique. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pensais que j'étais à l'arbalète et du coup, ça s'est terminé en caca boudin. Comme j'ai pu le voir. Ah ouais, j'étais sur l'arbalète, mais comme j'ai capturé un mec en silencieux là, en attaque silencieuse, bah ça, elle a switché d'armes automatiquement. Ça, c'est pas cool. Faut que je relise le message pour savoir où se pourrait se trouver. Ah mais je peux avoir le soin maximum. Et je peux avoir quoi ici? Confection de munitions standard pour le pistolet de chasse qui inflige des dégâts massifs avec une propre précision. C'est que des trucs de munitions supplémentaires, mais si tu les rates, ça sert à rien. Déplacement en mode écoute, je veux bien parce que je suis très lent quand je fais ça. On va attendre. Attends, non, mais je voulais lire le message. Note de mutinerie. Les armes sont stockées sur le pont supérieur arrière. Donc à l'arrière du pont supérieur. Du coup, le pont supérieur, c'est-à-dire le pont qui est juste au-dessus, c'est ça? Là où je suis, là. C'est écrit sur mon espace bar. C'est écrit quelque part. Non, c'est le bar. Enfin, c'est le bar. Bon, bah là, je suis au bar. Je suis au bar, je suis pas à l'endroit... Là, je suis au pont, mezzanine deck. Des chances que je sois à l'arrière du coup. Ou alors, il faut monter encore peut-être. Parce que j'ai l'impression que je suis quand même en haut. Un problème, c'est là-bas. Il y a un escalier, voilà. Le pont, ouais, je pense que c'est ça. En fait. Est-ce que je peux faire des flèches? Je ne peux pas faire de flèche. Je vais faire des souverains. Ouais, c'est un écran. Là, je suis avec mon arbalète. Oh. Ah, L3, j'ai oublié ça. Je peux respirer. Ouais. La flèche a cassé ici. Il y a un puant. Les puants, c'est rigolo parce que ils passent leur temps à rôter. La chance qu'ils me voient pas à travers la vitre. Ah, les flèches ont cassé. J'ai plus de flèches. Par contre, bon, on va éviter de se faire repérer par le puant. On va essayer d'éliminer en fait cet infecté. Pas se repérer, tu vois. Bon, apparemment, il en reste que deux. Apparemment, il n'en reste que deux. Là où je suis. Là, je le trouve. Je vois celui-là. Je pense que je peux l'avoir.
Comme ça. Nice. Tranquille. Voilà. Tranquille, tu vois. Et l'autre, le deuxième, il est en train de faire sa ronde. Il est là. Il va peut-être me voir s'il est là. Voilà. Et là, j'arrive dans son dos. Je pense que j'ai... Il avait une paire de ciseaux sur lui. Donc, du coup, je fais attention de ne pas me faire repérer par le puant. Je vais le laisser rôter dans son coin là-bas. En espérant que ouvrir la porte ne va pas faire un vacarme de ouf. Apparemment, ça. Alors c'est quoi ça? Départ de San Diego, cap sur Vancouver, un peu d'utilisation de l'embarquement, mais évacuation réussie. Deux passagers se sont plaints de mal de mer, nous avons installé l'infirmerie. Contact radio, bonne nouvelle, aucun signe d'infection sur l'application. Le passager Barnes a disparu, l'équipage de recherche. Il n'avait pas le mal de mer, il était infecté. Le passager, la passagère Joséphine est intervenue et l'a jeté par-dessus bord. Demande d'examen des passagers par l'infirmier de bord, par Joséphine, refusée. Nous n'avons pas le matériel adéquat. Demande à Supigon de l'intéresser d'accéder aux armes. Oh! Elle a sûrement décidé de tuer tout le monde, en fait. Malgré les protestations, les passagers se plaignant de divers maux ont été placés en quarantaine pour dans l'infirmerie au pont supérieur. Côte de Seattle en vue. Tentative infructueuse de contact radio pour ravitaillement, nous poursuivons. Tout le monde de l'infirmerie a été exécuté. Ces gens n'étaient pas infectés. C'était un meurtre de sang-froid. Personne ne mettra pied à terre tant qu'ils ne tiendront pas le coupable. Comme je le pensais, il s'agit de Joséphine. Nous sommes tirés dessus. Je doute qu'elle survive. Si je retire ce truc, je me viderai de mon sang. En quelques minutes. Je vais faire cap sur la côte pour que tout le monde puisse débarquer. Le port est proche, je dois tenir. J'entends les infectés derrière la porte. C'était vraiment un scénario de type... Merde, par contre le coffre, il est où ? Parce que là, je peux plus partir par là. Allez, c'est parti. Wake. Non. Non, je peux pas revenir. Ah, attends. Ah bah non. Merde, le coffre, il est où? Oh. C'est nul. Je pensais pas que c'était un sans-retour. Le pont supérieur arrière, j'y étais. C'est, peut-être que c'est là-bas, en vrai. C'est sûrement là-bas. Bon, on s'en bat les couilles. Allez, let's go. Oh, oh, bah j'ai raté. Bon, je vais réessayer. Tu vas réessayer quoi? Là, tu remontes plus là-haut, là? T'es tombé. Du coup, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a eu un petit aperçu de ce qui s'est passé sur ce bateau. Il faut que j'essaie le niveau supérieur. Donc du coup les gens ils voulaient les gens étaient un peu malades sur le bateau. L'infirmière était paranoïaque, elle a tué tout le monde. Et mais en vrai ça pourrait faire à lui tout seul un petit court-métrage ou un jeu, tu vois. Bon, ils sont morts depuis un petit bout de temps eux. Alors plutôt tranquille ici. Je suppose qu'il n'y a pas d'infectés dans les hauteurs. Ce serait plutôt logique. Il serait plus au niveau du sol. Là où il y a à manger. Ce qui me semble que les infectés, au-delà du fait qu'ils soient totalement dégueulasses, avec des champignons partout sur la tête, ils ont quand même un peu comme Days Gone, ils ont un système de vie, tu vois, et ils ont un cycle de vie. Il est un peu plus court. D'ailleurs, je me demande comment ils font pour avoir, après 20 ans, encore autant d'infectés, parce que...
Il me semblait que l'évolution naturelle du virus, c'était l'infecté normal, puis le claqueur. Et en fait, pour les versions supérieures, en fait, ils vont muter en puant ou en colosse. Mais quand ils finissaient par mourir naturellement, ils se collaient contre un coin et ils infectaient le mur. Et ils faisaient des spores, tu vois. Il me semblait que ça marchait comme ça. Du coup, techniquement, en tant que virus, en tant qu'entité qui infecte et qui se va voir par les spores, la population humaine, à un moment donné, ça finit par, le virus finit par se guérir, tu vois. Ça se peut pas guérir, mais je veux dire, s'il n'y a plus personne à infecter, le virus finira par mourir tout seul. Donc il suffit juste que les gens restent enfermés un petit moment sans se faire infecter. Enfin, je sais pas. Bon, j'ai raté le coffre, hein, du coup. J'en regarderai le bateau l'eau doigt. Owen ! Owen ! Owen, réponds ! Il doit être quelque part à l'arrière. Je sais pas s'il peut passer plus loin que ça. I don't know how to get there. Alors, quand ils ont dit qu'ils ont fait les plus grandes maps qu'aucun autre jeu Naughty Dog, je veux bien croire. Hein. Depuis le temps qu'on court, c'est un peu insane. C'est limite un open world. Genre limite entendu des bruits bizarres. Là aussi ? Là. Eh oh ! Bon, apparemment, il y a une sorte d'entrée par le toit. Faudrait que j'arrive à monter le toit. J'ai peut-être besoin de cette corde. C'est pas une corde, en fait. Et si quoi ? Attends, c'est un câble électrique. Oh ! Wait. Mais non, ça pourrait pas marcher. Retombé. Bah là ça va, c'est pas retombé. Mais en quoi ça va m'aider? Oh, peut-être que j'ai une idée. Si ça marche vraiment, c'est vraiment insane. What? C'est bon? C'est coincé? Non, je veux le coincer sur le côté. Je sais pas si c'est possible en vrai. Je sais pas si c'est ce que je veux que je fasse, mais moi j'ai ce truc là. Ça là. Et moi j'ai envie de faire ça. Mais j'ai l'impression que le câble est trop court. Ah, mais attends! Attends. Je peux faire ça aussi. Je peux faire ça tout simplement. Et je vais grimper par l'extérieur et j'arriverai sur le toit. Ce que je suis obligé de faire pour toi. C'était tout con en fait. J'étais en train de overthinker. En fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais balancer le truc par la fenêtre pour que ça passe derrière ce truc là et que ça arrive en bas. Mais
En fait, t'as des moyens plus simples, hein, genre directement comme ça. Je te préviens, t'as pas intérêt à râler pour la casse. J'avoue que, à cause de toi, maintenant, il y a de la flotte partout. J'ai vu quelque chose là, un sac. Ok. Bon, ton sac est ici. C'est du sang, ça? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fout? Hé, hey, Owen! Il y a de la musique, donc ça va, je pense, hein. On va dans la bouche du requin ? J'étais pas allé dans la bouche du requin encore. Mais il y a de la flotte partout, en fait, dans cette maison, c'est horrible. La bouche du requin, c'est pour mettre le courant, en fait. Le courant marche déjà. Ah, le fameux bateau, il y a de la lumière. Non, il va là. Vas-y. Putain, ça, c'est vraiment cruel. Isaac, t'as chargé de me retrouver? Pas du tout. C'est quoi, tout ça? Faut bien que je le démonte, si je veux le réparer. Je vois. T'en veux ? Sans façon. C'est toi qui vois. Danny est mort. Je m'en doutais. Tu peux me dire ce qui s'est passé ? On était en train de démanteler un camp. Juste quelques scars, et j'en ai frappé un à la tête. Fort. Alors, il s'est écroulé. Son arme était à portée de main. Mais il n'a pas essayé de la prendre. Au lieu de ça, il me regarde. Et je vois qu'il est vieux. Qu'il est fatigué. Il avait l'air d'être prêt. J'ai tué un paquet de Scar. Et ce mec-là, putain. Évidemment, Danny s'est mis à me gueuler dessus. Je lui ai dit que j'en avais marre, qu'il avait qu'à le faire lui-même. Et là, il pointe son flingue sur moi. Alors je l'attrape et... Au début, je savais pas lequel de nous deux était touché. Tu t'es juste défendu. Arrête. Je vais arranger tout ça. Je parlerai à Isaac. Je suis fatigué, Abby. J'en ai ras-le-bol de défendre un putain de territoire dont j'ai plus rien à foutre. Je vais à Santa Barbara. Quoi, à cause d'une rumeur? C'est plus qu'une rumeur. Non, les lucioles sont pas là-bas.
C'est fini. C'est une piste. Faut que j'en sache plus. Et pour Mel ? Elle est en sécurité ici. C'est ça. On en reparle demain quand t'auras décuvé. Pas ça. Faire quoi ? Me traite pas comme un cinglé. Je sais que tu penses comme moi. Si les Lucioles sont vraiment à Santa Barbara, je préfère me barrer dans la direction opposée. Quoi ? Non, rien. Désolée d'être adulte. Tu devrais essayer. Ah oui, comment je fais ça, Abby ? Je devrais chercher ceux qui ont tué ma famille. Wow. Les massacrer. Allez, bim. Je pourrais les torturer jusqu'à ce qu'ils pissent. Abby. Ok. Je veux dire, I mean, why not? Pas sûr que ça marche comme ça, Hey, ils arrivent enfin à enlever les vêtements dans les jeux. En vrai, à l'époque, ils avaient du mal. Attendez. Oh. Ah, boobs! Boobs! Je suis pas sûr que je peux montrer ça sur YouTube, en vrai. Bon, c'est pas long, mais quand même. Je sais pas si je montrerai ça sur YouTube ou pas. Je sais pas si vous avez vu ou pas. En tout cas, Abby a couché avec Owen. Si c'est pas... Si ça a été écrit. Rêve des deux Scars. Jour 2. Nice. Bon, bah là, maintenant qu'elle a retrouvé Owen, le problème c'est que. Merde. C'est qu'elle doit revenir à sa base assez rapidement. Faut que je les sorte de là et vite. Du coup, là maintenant, en fait, elle a pris pour mission d'aider les deux Scars. Je l'avais aidé à la base. Bah écoute, parfois, c'est ça d'avoir un cœur, Abby, hein ? Ne tombe pas. Ok. Alors, c'est l'endroit où il y avait énormément de bestioles. Donc du coup, faut juste que je fasse gaffe. J'ai mon caillou. Et je suis prêt à m'en servir à tout instant. Tu es sûr de les avoir vus ? C'était l'infidèle !
Au moins, je sais qu'il est vivant. Cet enfant est une abomination. Et leur mère dans tout ça? Elle fait pénitence en ne consommant ni eau ni nourriture. La pauvre. Très bien. Ok, c'est parti. Wow! Faut pas qu'elle s'échappe. Encore toi? Mais je t'avais tué. Ça, c'est de la pure infiltration. Ils sont approchés de la situation en mode. Enfin, ils sont approchés de la zone en mode. Attends, il y a quelque chose là-bas, attends, j'entends un bruit. Et moi, je suis en mode. Non, c'est bon, je passe. Elle a ouvert la porte d'une façon très, très, très bizarre. Tu sais, genre de. Sur le côté, tu vois. Est-ce que j'ai des trucs pour moi? Je peux améliorer l'arbalète éventuellement. Mettre un viseur dessus. Ouais. Il me faut une lunette 4K, je vais dire. Non, j'ai pas voulu faire ça. Oupsie. Ah si, non, c'est bon. C'est bon, elle a juste mis en place le truc. Stabilité, j'ajoute une poignée tactique pour gagner en stabilité. La 4K, en fait, c'est dans... La 4K. La 4x4. C'est dans pas longtemps. Donc peut-être même que je peux l'avoir maintenant si, quand je fouille, je trouve des parties d'armes. Je ne pense pas, j'ai déjà looté ici en vrai. Donc c'est dommage. Parce que en soi... J'espère qu'ils sont encore là. Ah oui? Alors du coup, il manque 10 pièces. Et avec 10 pièces, je pourrais avoir la visée 3-4 et je pourrais peut-être mieux viser mes cibles ensuite. Je peux monter par là, tout simplement. Oui, alors peut-être qu'il faut que je prenne l'élan. À partir d'un container. Non, je peux pas. En fait, c'est trop haut. C'est pas ici que je dois partir. C'est là, en fait. Je l'avais pas vu. Il y avait juste une petite... Elles sont mortes, déjà. Ou elles ont déjà tué des gens. Oh, merde. Petit, vous êtes encore là? C'est moi! Abby? Son bras va mieux? Désolée. Comment elle va? Ah, mais c'est pas elle! Je pense qu'il faut couper le bras en vrai. Impossible qu'elle puisse se soigner sans médicaments. Je dois bouger ton bras.
Comment c'est honteux. Appuie-toi sur moi. Où est-ce que tu l'emmènes? Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Il lui reste une solution. Maintenant qu'il pleut plus, etc., on voit que elle est ultra jeune en fait. C'est genre. C'est Owen. Les gamins. Owen. Hé, hey, Owen, debout. Je suis là. C'est Descar. J'ai besoin de matos pour la soigner. Alice, non. Alice. Baisse ton arc, c'est bon. Non, baisse ton arc. Tais-toi. Laisse, baisse ton arc. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Alice. Lève, baisse ton arc. Tout va bien. Abby, qui sont ces gosses? Ils m'ont sauvé la vie. Tu pourras l'examiner. Pas bouger, Alice. Alice qui comprend rien. Tu m'as dit de manger tout le monde. Qu'est-ce qui a fait ça? Un marteau. C'était pas moi. C'était pas moi. Faut l'allonger. Tu sens quelque chose? Yara. Non. Je voulais le nettoyer et le remettre. L'os est en miettes. Elle a le syndrome des loges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut amputer. Yara est un soldat, elle a besoin de son bras. Si on fait rien, il va se gangrener. Je veux juste que la douleur s'arrête. Pitié. Qu'est-ce qu'il te faut? Dans l'idéal, une scie, des sutures, un clamp, des antibiotiques. Mais on n'est pas dans une situation idéale. On a des couteaux, du feu. On coupe et on cautérise. L'infection la tuerait. Fais-moi une liste. J'irai à l'hôpital chercher ce qu'il faut. C'est un jour de route. Je m'en fous! C'est pas le problème, Abby. Elle pourra pas tenir aussi longtemps. Et si je t'y amenais en 2 heures? L'hôpital de Wolf, c'est ça? À l'ouest? Comment? On a des passerelles. On les construit pour éviter les zones inondées et... vous évitez, vous. Elle peut tenir 2 heures? Peut-être, oui. Alors fais une liste. Attends, t'es sérieuse? Les SCAR utilisent ces passerelles. Ils n'envoient que des petites équipes. Des petites équipes, tu vois? C'est pas une blague. Lève. Puisse-t-elle te guider? Puisse-t-elle te protéger? Abby? Abby? La première fois que tu le vois qui nous sauve, etc. Hey. Enfin, qu'elle nous sauve, je veux dire. Attends. J'avais pas l'impression que c'était une gamine. Mais en fait, elle est toute petite. Désolé. Je peux te parler. Vas-y. Pourquoi tu fais ça? Elle s'est pointée sans prévenir. Ok. Elle sait pas pour hier soir. On s'en fout d'hier soir. Toi, peut-être. Laquelle? Fais pas de conneries, ok? Conneries, ça la connaît de toute façon. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en laissant un plus beau et magnifique pouce bleu, même si c'est Abby. Tes amis. Même si c'est Abby, les gens.
laissez un pouce bleu, parce que je vous vois dans les commentaires. Donc, gros bisous à tous. On se retrouve donc demain à 18h pour la suite de The Last of Us Part 2. C'est Ross, out.